Ah, attends. Il me ressemble pas Brimstone, honnêtement. Moi, de base, ça fait 15 ans que je joue aux FPS. J'ai découvert Valorant, comme tout le monde, avec la preview. Les pouvoirs ramènent un côté fantasy, un côté fun. Et c'est ça qui m'a plu directement. C'est Brimstone, c'est un personnage qui va être vraiment indispensable dans une équipe, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aider les coéquipiers à garder une zone, à prendre une zone. Si on se moque pas les entrées ou les sorties des PP, bah ça va être compliqué parce qu'il faudra regarder un peu partout. Être à l'écoute des coéquipiers, soyez patient, essayez d'analyser. Si tu utilises tes smokes trop rapidement et inutilement, tu as plus rien pour bloquer les ennemis. Avec sa tablette là, tu smokes où tu veux, frérot. Graves de League of Legends et Sky. Graves parce qu'il a une barbe, ou ici il a une mitraillette. Et Sky parce qu'elle va à la salle de sport, elle a des muscles et tout. Vous avez vu ses biceps? Elle en a plus que moi. C'est un truc de ouf. C'est avec l'équipe de France dans le SPAC Nation. J'ai fait un 4K au shérif. Je vois juste l'ennemi, je lui mets un gros réflexe dans la tête. Du coup j'ai ulti sur le BP. Et en gros ça a forcé les ennemis à sortir de leur cachette. Puis le skill a fait le travail hein. Et vas-y, avec le shérif. L'aspect e-sport, ça m'intéresse énormément, mais j'aimerais bien aider les gens à s'améliorer à travers mes streams et mes vidéos YouTube.